Fort, polyvalent, élégant, au caractère calme et apte à l'apprentissage, le Franche-Montagne répond aux nombreux critères recherchés par la brigade de cavalerie de l'armée italienne. Elle compte utiliser les chevaux pour des parades militaires. Les chevaux seront essentiellement utilisés pour tirer le canon. C'est une discipline qu'ils ne connaissent pas, qu'ils vont apprendre là-bas en Italie. L'armée italienne était déjà venue il y a une vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine d'années, acheter des chevaux Franche-Montagne. Ils reviennent après 20 ans, ça montre leur satisfaction. Ils ont vu l'évolution de cette race, mais qui a gardé toutes ses caractéristiques au niveau comportemental. Sur les plus de 40 chevaux qui ont été examinés, une dizaine seulement ont été sélectionnés, dont 5 ici à Cortébert. Pour les éleveurs, se séparer de leurs animaux est un pincement au cœur, mais la satisfaction reste grande. C'est une assez grande fierté d'avoir l'armée italienne qui déjà s'est intéressée à nos chevaux, et puis d'autant plus qu'il les a achetés, donc c'est chouette, on est content, puis on se réjouit de voir ce que ça donne. Ça fait plaisir. Pas d'avoir vendu à l'armée, ça c'est un plus peut-être, mais c'est que ce cheval est reconnu. Et puis si on peut fournir de la qualité, parce qu'ils étaient très exigeants au point de vue qualité, si on peut arriver à leur fournir des chevaux qui leur conviennent, tant mieux, quoi. La Fédération Suisse du Franche-Montagne espère que la transaction ne sera pas la dernière. C'est des nouvelles horizons qui s'ouvrent pour nous. Et on espère aussi, la Fédération Suisse espère que ça peut être une collaboration à long terme avec peut-être un renouvellement des chevaux un petit peu plus régulier que tous les 20 ans. La délégation italienne et les chevaux se sont mis en route ce jeudi matin. Les animaux prendront leur quartier en Lombardie.